Avec nous également sur le tapis rouge, l'heureux producteur oscarisé, deuxième artiste, Mallet-Guy. Voilà, ainsi se termine le réalisateur d'à propos d'Elie et d'une séparation qui lui a valu de recevoir donc le César et l'Oscar du meilleur film étranger. Et l'Oscar du meilleur film étranger. Il est accompagné de son Sabrina, Ouazani, sa comédienne, de Jeanne, Jestin, Elyes, Aguis, de Pauline, Burlet, d'Ali Mosaffa, de Tahar Rahim et de Berenice Bejo. On a revu dans 24 heures de la vie d'une femme que l'on a vu à Cannes dans Restauré, dirons-nous, et bien sûr dans The Artist, qui lui a valu de remporter le César de la meilleure actrice. 2009, Valier découvrait un grand acteur qui lui a valu deux Césars, de la raison, c'était l'an passé. Et on le verra également. Nous avons également le... Le rôle de Piaf à 10 ans. On l'a vu récemment fois à Cannes. Sabrina Ouazani, elle, était déjà venue pour présenter La Source des Femmes. On l'a vu récemment dans De l'autre côté du périph'. Elle est à l'affiche de Mohamed Dubois avec Éric Judor, que l'on a vu un peu plus tôt sur le tapis rouge. Asghar, Farhadi, accueilli sur les marches du palais par Thierry Fré. Alexandre, Mallet-Guy est un producteur heureux ce soir. Asghar, Farhadi, Alexandre Mallet-Guy, Sabrina Ouazani, Jeanne Jestin, Elyes Aguis, Pauline Burlet, Ali Mosaffa, Tahar Rahim. Alexandre Mallet-Guy, Sabrina Ouazani, Jeanne Jestin, Elyes Aguis, Pauline Burlet. Avec nous de Leïla Adimi, actrice de
a donc valu à Asghar Farhadi de remporter Ali Mosaffa, Tahar Rahim et Berenice Bejo, l'équipe du Passe.